de préparer la méthode, ils ont besoin de se familiariser aux questionnements philosophiques, ils n'en ont jamais fait. Et donc c'est vraiment un avantage, oui, c'est de l'initiation. Ça permet de faire un travail en première beaucoup plus lent, on a le temps, puisqu'on note, mais en même temps, le but c'est pas la notation, c'est surtout la préparation. Voilà. On les habitue, je les habitue plus ou moins à réfléchir de façon philosophique. Au départ, je pars d'histoires, de narrations, et puis je leur demande de réfléchir philosophiquement, on va dire, entre guillemets, sur l'idée générale de la narration. Je peux partir d'un mythe de Platon, je peux partir d'une fable. Science. Je leur demande de faire un exposé sur une nouvelle technologie pour réfléchir à l'évolution, critiquer, etc.